On espère à peu près tous la même chose. Que la vie soit belle et tranquille. Avoir une famille heureuse. Des amis sur qui compter. Sergio s'est fait crever par des condés. Serge pourra pas être des vôtres. T'as un message à lui faire passer? Pourquoi t'es facteur? Tu vas crever la gueule ouverte, comme un con que tout le monde a laissé tomber. Laisse pas ta salive pour rien, commissaire, je dirai rien. Qu'est-ce que t'espères? Quel moment il va bouger son cul pour te sortir de là? Je m'appelle Serge Sutel, et toi c'est comment? Maman. Qu'est-ce que tu vas faire pour Serge? Je bougerai pas une oreille à genoux. Je t'ai donné ma parole. C'est notre pote, là. On va pas le laisser se faire buter dans un tôle sans bouger. C'est du trop lourd en face, on a plus la moelle. Si t'as plus les couilles, on le fait pour toi. Pourquoi tu fais tout ça pour Serge? Parce qu'il est comme un frère pour moi. Au Lyonnais. Au Lyonnais! J'ai déjà fait 30 mois de prison pour toi. Je les ai fait parce que je t'aimais. Couche-toi à genoux! Aujourd'hui, je ne sais plus ce qui est normal. Si j'avais pas bougé, c'est moi qui dormais plus jusqu'à la fin de mes jours. Un voyou en sommeil reste un voyou, Momo. Je vais pas te lâcher, Momo. Je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu mènes à ton pote. Et ce jour-là, tu perdras tout. Ta femme, ta maison, tes mômes, les enfants de tes mômes. Et je suis pas sûr que tu sois prêt à supporter tout ça. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, commissaire. C'est que si un jour je dois perdre tout ça, je me laisserai pas faire.